لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fidèles auditeurs de la radio Al-Bayan, nous sommes à Terre-Sainte, et précisément à la Mecque. Pour ce qui concerne la fête de la Tabaski déjà chez nous, je peux vous dire que ici, en Arabie Saoudite, selon les autorités, le premier jour du mois lunaire fut le dimanche dernier. C'est-à-dire Zulhijja. Le premier Zulhijja fut le dimanche dernier. Et ce qui nous amène à dire que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 20 août, Inch'Allah. Et ce qui nous amène également à dire que la fête de la Tabaski pour Shiraz chez nous, le 21, Inch'Allah, le mardi 21, sera la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Et cela se justifie par le fait que, conformément à la rencontre des imams que nous avons eue, nous nous alignons sur l'Arabie Saoudite pour ce qui concerne la fête de la Tabaski, étant donné que la Tabaski a lieu le lendemain de la station à Arafat. Et comme il n'y a pas de lieu pour faire la station à Arafat, c'est bel et bien ici en Arabie Saoudite. Et étant donné que la date de Arafat a été déjà donnée, c'est le 20 août, Inch'Allah, ça veut dire que la fête de la Tabaski aura lieu chez nous le 21 août, bi'iznillah. Bonne fête à tous et à toutes. Ce qui nous amène à parler un peu des rites du Hajj. Présentement, la plupart des pèlerins sont à la Mecque. C'est les derniers qui vont arriver de Médine dans ces derniers jours. Car nous partons pour Mina, le 8 du mois lunaire. Dans le mois dans lequel nous sommes, c'est le 8 que commence réellement le Hajj lui-même. Et c'est ainsi que tous les pèlerins vont être transportés à Mina, qui est à peu près, j'allais dire, 2 ou 3 kilomètres de la ville de la Mecque. Et c'est là que le pèlerin va passer la nuit. Et il va être ensuite transporté vers Arafat, ce qui va correspondre au 20, comme nous l'avons déjà signalé. Et c'est là le point culminant du Hajj, car le professeur nous avait dit bien, le Hajj ou Arafat, que le Hajj, c'est bel et bien la station d'Arafat. Et ce jour-là, d'ailleurs, vous comprendrez que tous les pèlerins sont préoccupés par leur arrivée au lieu d'Arafat. Parce que celui qui rentre à Arafat n'a pas de Hajj. Il doit refaire le Hajj. Et c'est pour cela que le pèlerin est particulièrement préoccupé par ce jour d'Arafat où il doit arriver. Aux environs, peut-être, en tout cas, avant la tombée du soleil, parce que la station proprement de Arafat commence après la prière de Zohr et la prière de As, qui sont 2 prières cumulées, avec 2 rakats chacune, et ensuite commence ce qu'on appelle la station d'Arafat. Et la station d'Arafat, c'est quoi? C'est le fait que le pèlerin s'adresse à Dieu après ces 2 prières cumulées, et ceci jusqu'à la tombée du soleil. Qu'est-ce que le pèlerin pourra faire? Eh bien, premièrement, c'est faire autant de bénédictions qu'il peut, et surtout la lecture abondante du Saint-Coran. C'est ce qui est demandé au pèlerin. Et beaucoup d'invocations qu'il pourra faire, jusqu'à ce que le soleil tombe. Et c'est à partir de là que la station d'Arafat va prendre fin. Et ensuite, le pèlerin va être convoyé vers le deuxième lieu, qu'on appelle Muzdalifa, qui est l'espace compris entre Arafat et Mina. Et c'est là que le pèlerin, dans la mesure du possible, va passer la nuit. Et là aussi, arrivé à Muzdalifa, il va faire la prière de Maghrib cumulée avec la prière de Isha, et à 2 rakats aussi. Donc la prière de Maghrib, 3 rakats, la prière d'Isha, 2 rakats. Et c'est après ça qu'il va passer la nuit à Muzdalifa. Là aussi, c'est un autre lieu d'invocation, de prière que le pèlerin fera jusqu'au petit matin. Bien sûr, il pourra avoir un temps pour dormir et se réveiller, faire la prière de Fajr, et ensuite il va ramasser ce qu'on appelle les cailloux avec lesquels il va les lapider, surtout le grand Satan ce jour-là. Lorsqu'il prendra ses cailloux, c'est-à-dire 7 cailloux au moins,
et il va se diriger donc vers Mina. Et la première des choses, c'est d'aller lapider ce qu'on appelle la grande stèle, qu'on appelle le Satan, le grand Satan, sept cailloux. Et après quoi, il viendra pour se raser, car il faut le dire, surtout pour les hommes, le rasage a plus de mérite. Autrement dit, s'il ne veut pas aussi, il peut simplement se coiffer ou diminuer un peu de ses cheveux, prendre un peu de ses cheveux. Ça, c'est surtout pour le cas des hommes. Quant aux femmes, elles coupent un tout petit peu de leurs cheveux et ensuite, elles vont continuer les autres rites. Le rite qui va suivre réellement, ce sera l'immolation du mouton. Parce que compte tenu du type de hajj que nos pèlerins accomplissent, alors on doit immoler obligatoirement un mouton. Et ce mouton, l'immolation se fait ce jour-là aussi. Mais Dieu merci, comme avec notre organisation aujourd'hui, tout ça sont des choses qui sont déjà réglées pour tous les pèlerins en général. Et donc il n'a plus ce souci quand on immolera pour lui son mouton. C'est après ça, alors que c'est dans la mesure du possible, bien sûr, le pèlerin va quitter Mina pour se rendre à la Mecque. Pour aller faire ce qu'on appelle le tawaf el ifada, qui est un des piliers du hajj, qu'il doit obligatoirement faire. Et le pèlerin donc va faire les sept tours de la Kaaba, puis va le faire la course entre Safa et Marwa. Et ensuite, il revient à Mina pour passer la nuit. Il faut bien le dire, le pèlerin ne passe pas la nuit à Mina, à la Mecque. Hein, ce serait une erreur de la part de celui qui viendra pour dormir à la Mecque. Il doit forcément retourner à Mina, où il passera la nuit. Donc ça, c'est ce qui correspond à peu près au jour de la Tabaski chez nous. Mais le pèlerin n'a pas trop de problème de la Tabaski parce qu'il est très occupé avec les rites du hajj. Donc lui, il ne se préoccupe pas trop de ce qui est de la Tabaski. Et quand il va revenir à Mina, passer la nuit, alors le lendemain commence ce qu'on appelle le premier jour de Mina. C'est ce qui correspond à peu près au 11e jour du mois lunaire, où il aura comme activité principale, c'est la lapidation des trois stèles qui représentent le Shaitan à Mina. Il y a le petit Satan, ensuite le moyen Satan et le grand Satan. Il commence par le petit, ensuite le moyen et le grand Satan. Les deux premiers Satan, quand il est lapide, il fait face à la Kaaba, il fait des bénédictions. Et le grand Satan, une fois il a lapidé, il ne fait plus de bénédictions, il retourne sous sa tente. C'est ce travail que le pèlerin répétera pendant deux ou trois jours. Pourquoi nous avons deux ou trois jours? Car Dieu lui-même permet, ceux qui veulent faire deux jours, après deux jours, de quitter Mina pour retourner à la Mecque. Ou alors, s'ils veulent compléter à trois jours, ils peuvent faire. Tout ça est permis par le Seigneur lui-même. Voilà en gros le travail que le pèlerin fera. Et Inch'Allah, ceux qui n'auront pas pu faire le tawaf et l'ifada et le safa de Marwa, alors une fois rentrés à la Mecque, ils sont obligés de le faire, car sinon leur hajj n'est pas du tout au complet. Et ainsi, quand ils auront fini tous ces rites, on peut dire que le pèlerinage est presque terminé pour ce pèlerin. Il va rester ce qu'on appelle le tawaf d'adieu. Ça, c'est le jour où il doit partir pour son pays. En ce moment, le pèlerin retourne encore à la Kaaba, où il va faire sept tours de circonvolution autour de la Kaaba, sans faire bien sûr la cause de Safa et Marwa ce jour-là. Et ainsi, il peut aller prendre son car et rejoindre l'aéroport et retourner ainsi dans son pays. C'est ainsi que le hajj prend fin définitivement pour ce pèlerin. Nous souhaitons bon pèlerinage à tous nos pèlerins, à nos pèlerines, et surtout qu'Allah nous facilite la tâche, Inch'Allah.